Gunter Sachs, bonsoir. Pas mal, hein, franchement. Ouais. Hein. On a pensé à vous, non, on s'est dit quand même, Gunter Sachs, il a l'habitude des jolies femmes, donc Adriana Carambeau. Alors, voilà, vous êtes surtout, comme je disais, Gunter Sachs, connu en France surtout comme un playboy milliardaire, que vous avez été, puisque par votre mère, vous êtes héritier de la fortune des von Opel, et par votre père, de la fortune des Fichtel & Sachs. Vous êtes connu comme photographe, vous êtes connu comme documentariste, vous êtes connu comme amateur d'art, vous avez dirigé le musée d'art moderne de Munich, vous avez été ami avec Andy Warhol, avec Salvador Dali, vous êtes quelqu'un de très éclectique. Comme je disais, vous avez épousé Brigitte Bardot, évidemment, pour les Français, Brigitte Bardot, c'est notre gloire nationale, donc la personne qui l'a épousée est aussi célèbre qu'elle. Et là, vous revenez avec un livre très étonnant, qui n'a rien à voir avec tout ça, et qui est un livre passionnant, voilà, attention. Gunter. Faire les mains, Gunter. Pardon. Ah. Attention, Gunter. Voilà, c'est bien. Bien, bien, bien. Bien, alors, donc le bouquin de Gunter Sachs s'appelle Le dossier astrologie, où la preuve scientifique qu'il existe un lien entre les signes du zodiaque et le comportement humain. C'est édité chez Michel Lafon et c'est un best-seller international. Ça s'est déjà vendu énormément en Allemagne et puis la version anglaise s'est vendue dans le monde entier. Alors, c'est vrai, bon, moi personnellement, par exemple, je ne suis pas dingue d'astrologie, mais c'est vrai que chaque fois que je rencontre un Capricorne ou une Capricorne et qu'on discute, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de similitudes. Donc, je me suis toujours dit, il y a peut-être un truc vrai là-dedans. Et alors, voilà, vous avez fait un truc que jamais personne n'avait fait avant vous. Vous avez analysé 15 millions de données sur les mariages, les divorces, les maladies, les suicides, les études, les professions, la conduite, les délits, pendant 3 ans. Et vous avez démontré, grâce à ça, l'influence mesurable des signes du zodiaque sur le caractère humain, c'est ça? C'est exact. Ce qu'a fait Gunter Sachs, c'est qu'il a les moyens de le faire, évidemment. Comme il dit, pour le prix d'une Porsche, il a monté un institut. Et vous avez fait traiter les données à travers grande enquête statistique que vous avez fait corroborer par l'université de Munich. Donc, ce n'est pas un truc qui a été fait en l'air. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a des similitudes dans les signes, c'est ça? Oui. Par exemple. La chose est que nous avons seulement des dates officielles. C'était uniquement des offices. Oui, les gens qui vous ont donné les données sont des gens officiels, oui. Alors là, évidemment, au début, c'était un peu difficile parce qu'ils disaient que c'est contre la loi, on ne peut pas donner une date de quelqu'un qui, par exemple, se suicidait ou un truc. Et puis nous avons dit, mais donnez-nous Capricorne et Poisson et choses. Et alors là, ça marchait. Et on a trouvé des choses très, très étonnantes. Voilà. Alors ce qu'ils ont trouvé, c'est que, par exemple, il y a plus de suicides, je dis n'importe quoi, hein, mais il y a plus de suicides chez les Gémeaux que dans tout autre signe. C'est ça, hein. Il y a plus de mariages qui s'interrompent chez les Sagittaires. Il y a des vraies lignes de force qui apparaissent. C'est ça que vous avez démontré. Par exemple, les Capricornes, je ne sais pas pourquoi, ils sont surreprésentés chez les dealers. Bon. J'en ai vendu, mais il y a longtemps. Comment vous savez ça? On peut dire que c'est une loi de Sachs. Les fondements de l'astrologie sont scientifiquement mesurables. C'est la première fois où vous avez établi, sur un plan rationnel, les fondements de l'astrologie. On a cherché donc les couples qui se marient le plus. Voilà. Alors, le couple qui se marie le plus, c'est verso-verso. Et puis, on a regardé les autres. Ils ont donc la plus grande attraction. Et dans les attractions, on a tout d'un coup eu un résultat étonnant, c'est que tous les 12 signes, en France, en Allemagne c'était un tout petit peu différent, tous les 12 signes aiment se marier avec le même signe. Voilà. Oui. Et c'est... démontré scientifiquement. Et ça avec une certitude, enfin,
que ce n'est pas de l'hasard, de 1 contre 1 milliard, à peu bien près sûr. 1 milliard. C'est quel signe, Adriana? Vierge. Ça tombe bien, hein. Ça c'est fou quand même. Ah, Vierge. C'est dingue cette histoire. Parce que moi j'ai passé je sais pas combien de repas avec des nanas, alors moi j'aime bien ça. Mais quand t'as ce bouquin. Et tout, moi, je, non, mais quand t'as ce bouquin, c'est facile, hein. Parce qu'une fois que t'as ce bouquin, tu rencontres une bonne. Tu vois, tu peux savoir, parce que c'est basé sur les statistiques. C'était moi l'idiot en fait. Voilà. C'est incroyable. C'est fou cette histoire. Vierge et Sagittaire, ça marche. Vierge et Sagittaire, Gunther. Ah, vierge, il faut que je regarde le livre. Ça, c'est de le in the book. Vierge et Sagittaire. Non, ça marche. Ce que vous pouvez faire, c'est après, Gunther, après l'émission, vous pouvez donner un cours particulier à Adriana, peut-être. Non, ça marche pas très bien. Ah, voilà. Ah, d'accord. Mais attends, il faut pas voir ça comme ça. Les sont dans l'hémisphère sud, donc oui. N'ont pas le même ciel que nous, donc ça marche pas du tout. Ah, bon, d'accord. Voilà. J'en suis encore demandé. Voilà. C'est les étoiles, rien que quand on regarde la nuit, quand on commence à regarder les étoiles, comme ça, ouais. On commence à se poser souvent des. Enfin, moi, je vois par exemple, je commence à me poser des questions existentielles. Hein. On se dit, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Hein. Puis après, au bout d'un moment, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre aussi? Hein. Bien. Vous êtes du cancer? Vous oui. Êtes du cancer? Oui. Oui. Alors, je pensais ça, oui. Très sensible pour soi-même, oui. c'est vrai. Là, tu n'as plus de secret pour Gunther. Mais moi, en vous voyant, je croyais que vous étiez communiste avec les écharpes rouges. Tu confonds avec Gunther Grass. Bien, alors je disais donc tout à l'heure, pour nous, hein, avant d'avoir publié ce bouquin, qui encore une fois va être sûrement un succès en France, parce qu'en France, tout le monde est très très intéressé par l'astrologie. Pour nous, les Français, vous étiez... Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, bravo. Occupe tout le monde, elle est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, bravo. Alors, dites-moi... Le jour où vous avez pris un hélicoptère et vous avez jeté des roses sur la Madrague, la villa de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, c'était avant le mariage, c'était pendant que vous la draguiez ou c'était après le voyage de noces? C'était après le mariage. Après le mariage, bravo. Alors bon, Brigitte Bardot a parlé de vous dans ses livres et elle dit, et c'est très 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 bien pour vous, elle dit « c'était dur de vivre avec moi ». J'étais pas un petit morceau, il fallait un caractère à la Gunther Sachs qui s'est pas laissé faire. Hein. Et elle dit, en parlant de son histoire avec vous, c'est un des seuls moments de ma vie où j'ai réellement été impressionné et ébloui par quelqu'un. Voilà. Donc. Voilà. Mais alors voilà. En fait, elle a aussi dit autre chose. Les femmes, ça dit... Oui, quand vous êtes disputé, elle a peut-être dit autre chose. Mais c'est très gentil. Elle a peut-être dit autre chose. Non, mais ceci étant, il y a... Non, il y a eu un problème. Wow. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Eh oui, il y a eu un problème, c'est que... Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, vous allez nous dire, mais j'ai l'impression que Brigitte Bardot, à un moment, elle a rencontré Serge Gainsbourg. Oui, elle a fait une chanson avec Gainsbourg. Il n'y a pas eu une aventure avec Gainsbourg. Et puis je lui ai dit, je ne voudrais pas que tu sors ce disque, elle n'a pas sorti. Ouais. Ben oui, il l'a sorti avec Jane. Oui, après ça, il a joué avec Jane chose. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'histoire entre Bardot et Gainsbourg. C'est ça, il faut la demander à elle. Ouais. Enfin, à moi, elle ne me l'a pas dit. Ben, vous l'avez dit. Donc la version a été censurée, la version Bardot-Gainsbourg a été censurée pour pas vous choquer, pour pas vous faire de la peine. Et donc c'est sorti avec Birkin, et oui, voilà. Dit, oui. Et c'est terminé quelque temps après votre histoire avec Bardot. Bon, je crois non, je crois un an et demi plus tard, mais un an et demi Bardot, ça, c'est oui. Comme 6 ans. Oui. Oui. C'est pas facile. Mais on comprend, on la connaît, hein, c'est notre gloire nationale, on la connaît. Bien. Maintenant on a Adriana Carambeu qui est notre gloire nationale et beaucoup plus gentille, Adriana. Je suis gentille. Oui, vous êtes plus gentille, vous êtes plus facile à vivre. Gentille. Non? Ah oui,
très très gentille, sage, tout. Vous êtes sage? Je parle de ma chaussure. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Ben, il y a un problème, mais je faisais du pied, la chaussure. Ah, ben, elle a supporté ça. Oh, sanglier. Ben, attention, Adriana, attention. Vous savez que Gunther Sachs a failli épouser, non seulement il a épousé Bardot, mais il a failli épouser Soraya, la femme du Shah d'Iran. Attendez, ah, c'était... Soraya Bonaï, moi. Non, pas Soraya Bonaï. Soraya, la femme du Shah d'Iran. Gunther Sachs, c'était maintenant, vous êtes rangé des voitures, vous êtes sage maintenant. Oui, oui, oui. Vous êtes sage. Pour dire encore quelque chose astrologique, dans mon livre, j'ai trouvé que le dernier couple qui se divorce le plus et qui ne va pas du tout, c'est un vieux avec une jeune. Gémeaux, ouais. Scorpion. Et ma femme est Gémeaux et ma Scorpion. Voilà, c'est exactement. 30 ans mariés. C'est vrai que Mirja, absolument, ça fait 30 ans que vous êtes ensemble. donc ça met un peu en péril, effectivement, ce que vous dites dans votre bouquin. C'est-à-dire que normalement, normalement ça ne devrait pas marcher. Bardot, elle, c'était Balance et vous Scorpion. Hein. Balance, c'est fait pour marcher, ça? Balance, oui, ça peut, c'est des ça voisins, peut marcher, donc ça n'a pas marché. Oui, mais et votre femme... Encore une fois, c'est très bête ce que je dis là, oui, ça peut marcher, pas marcher. C'est, je dois dire, ici, c'est la preuve que l'astrologie, si vous voulez, existe, que des choses existent. Eh bien, maintenant, si mes copains lisent le truc, ils lisent et puis ils voient « Ah, ça c'est drôle, oui, oui, Jean, il a fait beaucoup d'accidents de voiture, regarde, il est taureau, etc. » Et puis il dit « Oh, là, peut-être la tante Ursule, elle va beaucoup se flinguer parce qu'elle est du poisson, etc. » C'est pas ça le sens du livre. Le sens du livre, on a dû montrer tout ça pour la preuve, mais les petites histoires et les entre ma femme et moi ou elle et moi, ça veut rien dire du tout. Et, je vous dis tout de suite, c'est autre chose que Carambeu. Lui, c'est un professionnel de la drague. C'est-à-dire que Carambeu, c'est un très bon footballeur. Christian. Mais lui, c'est un pro, attention. Hein. Le mec, il jette quand même des roses au-dessus de chez vous avec un hélicoptère. C'est quelque chose. Attention, hein, c'est pas, il rigole pas. Cheveux blancs. Non, Gunther, elle là. Oui, on va te plaindre. Oui, oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.